J'ai abordé le problème de la prothèse, non en médecin ou en prothésiste, mais en créateur d'automates, donc en technicien et en artiste. Pour l'étude technique, j'ai appliqué les principes défendus depuis de nombreuses années par le docteur Jean-Éric Lesker, c'est-à-dire la main à préhension molle qui empaume les objets. C'est une prothèse mécanique à fil, dont la face dorsale est en métal et articulée entre toutes les phalanges, et dont la face interne en caoutchouc mousse est recouverte d'un cuir souple. J'ai pu supprimer le gant qui gênait considérablement la préhension et j'ai transformé la prothèse en une véritable sculpture animée. Pour que la prothèse ne soit plus un sujet de honte et de répulsion, j'ai voulu créer un objet que tous, à commencer par l'amputé lui-même, aient plaisir à regarder. La prothèse devient ainsi pour l'entourage de l'amputé un objet de curiosité saine, celle que l'on a pour une œuvre d'art.